Si dans les 5,32 prochaines secondes, tu ne t'abonnes pas à ma chaîne et que tu ne likes pas cette vidéo, tu ne pourras pas réaliser les défis de la semaine 5 de Deadpool sur Fortnite. Donc vite, abonne-toi vite à ma chaîne et like vite cette vidéo. Comme ça, tu pourras réaliser les défis de la semaine 5 de Deadpool sur Fortnite. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Nouvelle vidéo sur Fortnite. Dans cette vidéo, les gars, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tout simplement, les gars, parler des défis de Deadpool de la semaine 5. On a tout simplement, les gars, les défis de la semaine 5 de Deadpool qui ont fuité, les gars. Vous allez voir, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer d'ailleurs les récompenses et tout qu'on va pouvoir obtenir. Je vais vous montrer en avance les défis et tout qui vont arriver. Je vais vous expliquer quand ils vont arriver, car vous allez voir les gars qu'il y a eu un petit imprévu, voilà, pour les défis de la semaine 5. Bref les gars, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas encore activé les notifications, je vous invite à le faire. On rush tout simplement les 300 000 abonnés. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui n'est pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. On rush les 300 000 abonnés. N'oublie pas de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner en activant bien évidemment les notifications. Comme d'habitude les gars, aussi on rush les 3500 likes pour cette vidéo. Je sais que vous en êtes largement capable. Donc voilà, donc toi qui regardes cette vidéo et qui n'a pas encore lâché ton plus gros pouce bleu, je t'invite à le faire. Voilà, comme ça on atteint au plus vite les 3500 likes pour cette vidéo. Et pareil les gars, si vous n'avez mis encore aucun code créateur dans la boutique Fortnite, je vous invite à mettre le mien, c'est Kikle14, K-I-K-L-E-14 en minuscule ou en majuscule. Voilà, clairement peu importe, tant que vous le mettez dans la boutique. Et d'ailleurs les gars, si vous venez de mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite ou que vous l'avez déjà mis, mettez-moi dans les commentaires, j'ai mis ton code créateur Kikle14 dans la boutique. Et comme ça voilà, je verrai les personnes qui l'ont mis. Et du coup, sans plus parler et sans plus tarder, bonne vidéo à tous. Du coup les gars, dans cette vidéo, comme vous auriez pu le voir au titre et la miniature, on va tout simplement les gars parler des défis de Deadpool de la semaine 5. Donc justement voilà, déjà pour commencer, je vais vous afficher à l'écran les défis qu'on a tout simplement trouvé dans les fichiers du jeu. Donc pour le premier défi les gars, on aura tout simplement les gars trouvé la peluche licorne de Deadpool. Donc en gros voilà, ce sera une peluche licorne de Deadpool qu'on aura tout simplement trouvé. Donc à mon avis les gars, elle se situera tout simplement dans un lit. Vous allez voir pourquoi je parle de ça tout simplement. Le deuxième défi, on aura tout simplement créé un arc-en-ciel avec les couleurs que Epic Games nous dit. Donc ça à mon avis ce sera en game. Mais justement les gars, je vais revenir au premier défi que je vous ai dit. On devra tout simplement trouver la licorne de Deadpool, donc en gros sa peluche. Faut savoir les gars qu'en récompense, comme vous auriez pu le voir juste avant d'ailleurs, quand je vous ai montré la liste des défis, on a tout simplement une récompense qui était affichée à droite. Et cette récompense les gars, c'est un écran de chargement. Donc cet écran de chargement les gars, je vous le mets tout de suite à l'écran. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer tout simplement les gars que Deadpool a tout simplement une peluche licorne, enfin une espèce de peluche. Donc est-ce que les gars, ça pourrait être simplement être cette peluche qu'on devrait trouver ou quoi? Et comme Deadpool se situe à ce moment là dans un lit, est-ce que tout simplement les gars, Deadpool, en gros la peluche de Deadpool ne serait pas située dans un lit? Est-ce que lors de la prochaine mise à jour les gars, Deadpool voilà n'aurait pas un lit dans son repère et du coup serait couché dedans? Bref, à voir ça par la suite. Et d'ailleurs les gars, je tiens à préciser que les défis Deadpool malheureusement ont été reportés, donc en gros ont été déplacés de 15 jours, donc en gros 2 semaines. Comment on peut voir ça? Donc quand vous allez tout simplement dans le repère de Deadpool, on peut voir les gars que dans l'ordinateur et dans les défis de la semaine 5, on a tout simplement le nombre de jours restants, le nombre d'heures et le nombre de minutes qui restent simplement pour les prochains défis. Et on peut le remarquer que du coup il reste aux alentours de 15 à 16 jours au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà les gars, clairement on va pas se mentir, ça a pas un petit peu chier d'attendre 15 à 16 jours, mais bon on se comprend, vous savez un peu les situations qu'il y a en ce moment, bref les événements qui se passent. Donc vous savez qu'il n'y a pas grand monde qui travaille, les développeurs de Fortnite. Donc voilà, clairement on va pas se mentir, bon bref 15 jours c'est pas non plus la catastrophe, mais voilà. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, maintenant vous savez quand les défis vont arriver, les défis qu'on aura. Donc comme d'habitude hein, on aura 2 défis, trouver la peluche licorne et du coup créer un arc-en-ciel. Et bien évidemment les récompenses pareil, on aura tout simplement un palier, donc une étoile du pass de combat, et par la suite avec comme écran de chargement voilà celui que je vous ai affiché à l'écran juste avant, puis que je vous raffiche tout de suite à l'écran. D'ailleurs les gars, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez l'écran de chargement, est-ce que vous le trouvez plutôt stylé ou pas. Franchement les gars, je vais pas vous mentir que pour ma part je le trouve plutôt stylé. Bref, en tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant les notifications. On rush les 300 000 abonnés. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui n'est pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant les notifications. Code créateur Kikle14 dans la boutique Fortnite. On rush les 3500 likes pour cette vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. C'était Kikle. Allez, ciao tout le monde.